J'irai de mettre le jeu, merci. Bon. Du coup, Trackmania. J'ai pas pu tester si ça fonctionnait bien de votre côté ou pas. J'ai pas vraiment le temps. Du coup, on va tester. Mais du coup, voilà. Pour ceux qui peuvent se demander, oui, j'ai bel et bien un club. Oui. Killer Gaming. C'est ma team. Tout simplement. J'ai une demande en plus. Xavier Frost. Je connais pas. Donc, désolé, mais c'est non. Du coup, Killer Gaming, bien entendu, c'est ma team. Vous le savez, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes déboires. Donc, j'ai créé une team il y a plus d'un an maintenant pour la Trackmania Cup de 2019 avec Lorden. Voilà, on a quelques petites personnes et on est surtout une bande de potes en fait qui kiffent. Pour l'instant, il n'y a pas de circuit, on va en créer. Voilà. Mais on a des skins. Il y a la Yoshette, il y a l'Ether, il y a un skin flat. Voilà. Totalement tranquille. Et puis, du coup, Lorden et moi. Voilà. Donc, c'est du skin assez simple que j'ai fait moi-même. Je trouve la couleur du rouge est... Enfin, magnifique. L'autre couleur un peu style marron, cuivre, bronze, pareil que j'ai trouvé, rend plutôt bien. Ça donne une bonne ligne à la voiture, un truc assez joli. Et à l'arrière, bien entendu, vous allez le voir passer, on a le nouveau logo de la team Killer Gaming. Et du coup, c'est un plaisir. Voilà. Donc voilà pour la team, pour le club. On peut en créer plusieurs. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, d'ailleurs il faut que je rejoigne celui-là. Voilà. Mais il faut vraiment que je priorise celui-là. C'est quoi ça d'ailleurs? Image visible sur surface de la route au départ, machin. On va aller dans les images. On va mettre ça. Verticale image utilisée dans la liste des clubs. On va mettre ça. Voilà. Et du coup, quand je fais ça, c'est pas bon. Faut que je la refasse. Mais voilà, on a compris. C'est Killer Gaming, tout ça. On a compris. Bon. Pour l'instant, on n'a pas de musique. C'est assez troublant, je vous avouerai. Mais il's ok. Faut vraiment que j'arrive à le retaper et le rendre plus haut parce que ça ne va pas. Ici ça passe, mais ici ça ne passe pas. Voilà. Image affichée sur le gradin du stade, sur les grands écrans du stade. Faut vraiment que je fasse tout ça. Je trouverai le temps pour le faire. Pour le moment, on n'a pas du tout les moyens. Du coup, CalG, bien sûr, Killer Gaming. On quitte pas Trackmania. Donc on a donc le solo que j'ai commencé à poncer. Voilà, j'ai que 2 médailles hauteur pour le moment. J'ai pas tryhard plus que ça. Genre 2 heures de jeu tout au plus. Sur le département, voilà où est-ce que j'en suis. Dans la Nièvre. Voilà. Et dans la team, pour le moment, je suis le seul à avoir fait des putains de temps. Donc voilà. On est bon. Du coup, pour tout ça. Donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup de, surtout sur les dernières maps, beaucoup de top 10 maximum. À partir du top 5, je dépasse pas le top 10. Donc voilà, il y a juste sur les 4 premières maps qu'il va falloir que je tryhard un peu plus pour que
je prenne un peu plus de galons dans la Nièvre, mais ça, c'est une autre histoire. Et pareil sur cette map. Maintenant, on va faire les maps noires. Voilà. Et je vais nous mettre la musique de base de Trackmania en fond, en boucle, pour se chauffer. Et du coup, voilà. Il faut quand même qu'on écoute les gears, bien entendu. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc oui, toujours pas de cam. Pareil, même problème, hein, chauffe. C'est chaud. Ah, on a pas assez de vitesse pour passer au-dessus. Ok. Par contre, j'espère qu'ils vont mettre très rapidement les points morts de la manette parce que ça commence à me chauffer le fait de partir. Ça commence à me chauffer le fait de partir en cacahuète au démarrage. Celui-là, il est un peu traître. Ok. Que médaille d'or? Oh, je suis un peu déçu. On va faire quand même une petite médaille hauteur, je pense, là-dessus. Cette map-là, j'aime bien. J'aime bien. Faut juste la travailler un peu. Voilà, comme ça, par exemple, on gagne du temps. Oh zut! En fait, c'est plus simple comme ça. Mais je préfère cette caméra-là, je la trouve plus précise. Enfin, moi, c'est mon avis après, hein, c'est en fonction du goût de chacun. Oh putain. Et son rôle est si dur quand t'as pas en caméra 1? Mon Dieu. Oh merde. Ça commence bien. Faut que j'augmente par contre le son du moteur parce que clairement je l'entends pas fort. Le son du moteur. Mieux. Zut, je suis pas prêt assez à l'intérieur. Pas hésiter à sauter sur ces boss là, à essayer de prendre l'intérieur à chaque fois. Allez, c'est parti. Oh putain, j'ai pris un petit peu trop vite, je crois. Z
Zut. Non, il est pas dur. En fait, c'est pas dur en soi ce circuit. Mais faut le tenir. Ok. Toujours pas médaille d'auteur. Bourgogne. Top 1 Nièvre. Enfin. Je sais pas comment ils font, mais. Vous voyez ma voiture qui part à gauche toute seule. Ça, c'est les zones mortes des manettes. Faut sortir. Sur la mienne. Et pour l'instant, je sais toujours pas comment on fait. Ah, beaucoup mieux cette transition là. Voilà. Regarde ça. Yo Di Maria, putain Di Maria, comment tu vas? Ce nouveau Trapenia, excellent. Excellent, excellent. Du coup, top 2 Bourgogne. Top 2 Bourgogne, top 100 France. C'est pas mal. On est pas mal. Ça va super. On est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Après, je vais pas vous mentir que je découvre pas mal le truc, j'ai pas forcément tout regardé. J'ai vu quelques maps, dont celle d'avant sur le stream de Zerator. Pas ce mytho, hein, j'ai quand même regardé un minimum avant de m'aventurer. Merci Yoshi d'ailleurs qui m'a tout payé, enfin, m'a payé l'abonnement, s'il te plaît. Elle est adorable, elle est limite chiante tellement elle est gentille en fait. Parce que moi je prenais la version solo et j'aurais fait avec la version solo. Et elle a dit ah non, tu prends la version payante, je suis pas chier. Pas vraiment le choix. Tu pourrais m'expliquer rapidement les différents passes annuels. Alors en gros, je vais pas te dire de bêtises d'Imaria. Mais en gros, t'as le pass annuel à 10€ qui va te permettre de jouer en ligne tout simplement. Alors, free to play, c'était juste. Non, c'est tout ce qui est parti solo. Donc, t'as les maps solo donc, que je suis en train de faire de campagne. C'est vrai qu'en fonction des saisons, les maps changent. Voilà, donc t'as toujours du contenu tous les 3-4 mois, je crois. T'as tout ce qui est solo et coopération en local. Voilà. Et tout ce qui est création, de map. Skin, je crois, c'est à partir de 10€, si je dis pas de bêtises. À partir de 10€, t'as le draw online, tout ça. Et à partir de 30€, en gros, tu peux créer un club et avoir des serveurs hébergés, mettre tes propres maps. T'as plus de possibilités de modification aussi. Tu peux faire des skins personnalisés. Voilà, t'as plus de possibilités à partir du 10€ et à partir du 30€ par an ou 60€ tous les 3 ans, t'as tout en fait. Enfin, Map Zerator par exemple, c'est le pass 10€. Je crois que tu peux faire les maps. Non, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que tu peux télécharger les maps pour les faire toi de ton côté gratuitement. Si tu veux les faire en multi, il faut que tu payes 10€. Voilà. Je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça.
Y a pas de quoi, Bon, tu viens quoi sinon depuis le temps? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est là. Oh non. Oh, l'erreur du joueur français qui a drift. Mais sinon, les mécaniques changent pas trop du premier en vrai. Si jamais attends, je peux pas te lire là pour l'instant, je suis en train de faire du coup ça. Oh non. Joueur Rocket League maintenant et Warzone un peu. Quand mon môme me laisse un peu de temps. Ah ouais, t'as un môme toi? Je savais pas que t'avais un môme. Ok, du coup Rocket League et Warzone quand t'as le time quoi. Oh putain, ça a failli mal finir. Ok. Quoi, Silver? Et toi, toujours en replay? Bah écoute, j'aimerais bien. Oh putain, à 0.1. À 0.1 près, j'avais la gold. Le roleplay, j'aimerais bien. Le problème, c'est que pour l'instant, j'étais sur Faili. Et j'ai eu. Je veux le taper un Bourgogne. Quoi, tu t'es en Bourgogne toi? Et oui, j'aimerais bien, seulement le problème c'est que sur Faili j'ai plus de slot pour le moment et que choper un slot c'est un peu compliqué en ce moment. Ah mais non, mais je vais devoir top 1. Ah, alors, top 1 Bourgogne ça va être compliqué parce qu'il y a des joueurs pro je crois dans la Bourgogne et dans la Nièvre. Du coup, ça va être compliqué, mais on va essayer de se démerder à faire un bon score déjà. Voilà. La top 19 Bourgogne hein, sur celui-là. Et top de Nièvre. Hein. Putain. Je sais pas où est-ce qu'il gagne du temps. Enfin, si je vois où est-ce qu'on gagne du temps, mais j'ai pas les balls pour le faire. Donc moi déjà, je vais finir la campagne. C'est ma mission. 23. Ah putain. What the fuck? Je vais découvrir la map. Oh le vomi. C'est good? J'ai rendu mon petit déj.
Ok, c'est par là. Ah putain! Ah putain, c'est comme ça. Ok, je vois. Là, je suis en découverte, hein. Et merde. Ok, la fin est là. Ok, j'ai globalement compris comment c'était foutu. Ah merde! Pardon. Oh putain, ta mère! Je peux pas me concentrer en éternuant! Putain! C'est quoi la médaille? Oh putain, à chaque fois je fais ça. À chaque fois je suis venu avec une médaille d'argent parce que en fait je save beaucoup, je révise énormément, je freine beaucoup aussi. En fait je réalise et je freine des fois là où je devrais pas en fait. J'ai essayé de cut, mais c'est terrible. Oh, c'est terrible ce qui se passe sur ces boss. Horrible. En tout cas, ça m'avait manqué de jouer à Trackmania. Je vais pas mentir, hein, ça m'avait manqué. Le problème, c'est que l'autre Trackmania, j'y ai trop joué en fait pendant un temps. Et du coup, j'avais plus envie de tester des nouvelles choses. Alors que j'aurais dû, hein. J'ai gagné tellement de temps en plus là-dessus, je suis dégoûté. Comment ça se fait que je gagne 2 secondes 5 ça? Et du coup, nouvelle mécanique, nouveau mode de jeu, c'est. En vrai, le jeu est excellent. Le jeu vaut vraiment le coup. Ah, il y a moyen de cut. Il y a un moyen de cut. J'ai pas. J'avais pas capté, mais oui, il y a moyen. Ah ouais. Il y a moyen de passer direct comme ça. C'est propre. Ouais, puis la terre est plus. C'est de la terre battue maintenant. C'est plus de la dirt comme on avait avant. Celui-là, il va être chaud. Il y a moyen de prendre ça. Et de gagner du temps. Je suis de moins en moins sûr, hein.
Après, il manque beaucoup de trucs de personnalisation. Par exemple, on peut pas changer. On peut pas changer notre nom directement sur le truc à cause de Uplay pour le moment. C'est non. Par exemple, là, on a le. Si tu regardes ma voiture Di Maria, t'as la vitesse du coup au niveau du. Là où t'as la plaque, normalement. T'as la vitesse. T'as la position, le 01 c'est la position. CTV c'est des initiales que tu peux sélectionner. Et puis ensuite j'ai fait mon skin quoi. Donc c'est vraiment bien. La TH est fait récent en fait, il fait pas vieux. Zut. Par contre, c'est pas du tout fluide de votre côté, hein. On est totalement d'accord. C'est pas fluide de votre côté du tout. Hein. Je me disais bien qu'il y avait un autre son avec. Est-ce que c'est mieux là, Di Maria? N'hésite pas à me dire. Est-ce que c'est plus fluide déjà? Parce que moi je vous lis, hein, c'est j'ai pas trop la diff. Ah, zut. On va devoir baisser les graphismes, c'est pas grave. Graphisme, on... Personnalisé. C'est quoi, restart. Bon, allez, on applique. On va restart du coup le jeu. Alors moi de mon côté, quand je regarde votre retour, c'est pas du tout fluide. C'est sûr que c'était vraiment fluide. Bizarre. Parce que moi de mon côté, vraiment, pour moi en fait, vous avez des légers saccades et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. En fait, je préfère que ce soit fluide et moins joli, mais que ce soit fluide. Quoi. Voilà. Tu me diras si tu vois une différence entre les deux. Si c'est pas le cas, bah un rip et puis je repasserai en normal et puis voilà. Bah, du coup, je vais te montrer en même temps les menus. Du coup, voilà, t'as accès à tout ça en solo. Voilà, tu peux avoir accès à tout ça là, il me semble. Voilà, c'est vraiment les campagnes de club, mais en solo. Ça, il me semble que tu as accès. Il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble. Live, c'est tous les serveurs qui sont créés et tout ça par les teams. Ça, c'est les clubs, du coup, c'est 30 euros. Ça, c'est à partir de 10 euros, il me semble, certains trucs. C'est à partir de 30 euros. En local, c'est gratuit. Voilà. Et Create, c'est gratuit. Sauf le garage qui, il me semble, c'est à partir de 30 euros. Voilà.
Allez, let's go. Est-ce que c'est plus fluide? Puis en vrai, la qualité change pas beaucoup. La qualité change pas des masses, ça a l'air d'être plus fluide de votre côté. Comme moi, sur mon retour, c'est bien plus fluide. Ça y est, je regarde que pour les points maintenant. C'est sérieux, Kiyoshi. Kiyoshi Sakan. Mais merde! J'arriverai pas, hein. Rien de dur, c'est juste safe. Je suis de retour, j'ai pas besoin de laisser tourner, je regarde vraiment maintenant. C'est les maps Zerator. C'est pas les maps Zerator, c'est les maps du solo. Pour l'instant, je fais que les maps du solo. Putain, j'ai gagné 3 secondes 7 sur mon temps quand même. Hein. J'ai pas été monstrueux, mais j'ai été déjà meilleur. Je pense qu'il y a encore moyen de gagner beaucoup, 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 beaucoup de secondes. Et je pense que j'étais pas loin de la médaille créateur. Enfin, la médaille auteur. Zut. Alors ça va, je reste. Pourquoi tu veux pas te spoiler les maps de Zera? Ah zut, j'ai touché. D'ailleurs, les wallets sont plus punitifs qu'avant. Et j'ai pas encore vu les vidéos. Moi non plus, j'ai pas vu les vidéos. Hein, Mais même si tu vois les maps, tu t'auras pas le lore. Enfin. Donc, si tu regardes les maps, t'auras le lore après. C'est pas bien grave. En faisant de la merde, j'ai fait une idée d'argent. Je me débête. Tu veux l'or avant? Ouais, si tu veux l'or avant. Zut! Putain, à la fin! J'ai gagné 3 secondes sur mon temps et c'est pas assez.
Bon, je suis scandalisé d'avoir eu le médaille d'argent avec un temps aussi pourri, quoi. Médaille d'argent, c'est vraiment donné à n'importe qui, quoi. Voilà, merci. Médaille d'or. Ah, j'ai gagné 4 secondes 5 quoi. Top 1 Yav toujours, top 3 Bourgogne. Est-ce que sur cette map là on tenterait pas le top 1 Bourgogne? Allez c'est parti. On va tenter contre les joueurs Bourgogne. J'aime pas ce... J'aime pas la caméra 1. J'y arrive pas. Poule verte qui est devant moi. Terrible. Je drift, je dois pas drift. Ouais, on se concentre un petit peu. Parce que sinon on va faire que de la merde et j'ai pas envie de faire que de la merde. Ça touche, c'est mort. C'est mort. J'arriverai pas à me concentrer sur celle. Bon, du coup, la dernière, la 25. La 25. Oh putain. C'est. Non. Sur la glace, clairement, c'est. Oh putain, ça va être terrible. Horrible. Zut. C'est si dur. C'est si dur. Putain mais... Et c'est chaud. Salut. Oh putain.
Ah oui, c'est vrai. Ok. Wow. Je sens que je galère un moment sur celle-là. C'est vraiment, vraiment dur pour le coup. Hein. Déjà que la glace, j'ai du mal avec la physique. Ça va être compliqué. Horrible. Je déteste cette caméra. Ah putain, ça y est, je m'en souviens de ce map. Celle-là, je l'ai vue du côté de Zera. Ah putain. Ok, je vais galérer. Pourquoi? Parce que je suis pas un bon joueur. C'est le cut? Pas du tout. Oh non, la petite bosse qui m'a totalement niqué. Oh non. Oh non. Ça va être dur de faire un... Tu veux peut-être des ailes pour voler correctement? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et pourquoi? Parce que j'ai maintenu l'accélérateur. En fait, si vous maintenez l'accélérateur, la voiture ne tourne pas. Enfin, ça fait ça, en gros. Et si vous relâchez, là vous pouvez tourner la voiture. C'est terrible. C'est terrible cette physique. Allez, salut.
Cette boss va me tuer, je crois. Ah putain, terrible. Bon, ça me plaît déjà un peu plus. Oh mais putain! Naze. Ça passe normalement. Attendez. Je crois que je vais mieux gérer avec la caméra. Malgré tout, je gère mieux. Pire que la dirt. Tu m'étonnes. La dirt au corps, ça va, tu vois. Même si je perds du temps, je me démerde, tu vois. Où est-ce que je dois passer? Comme ça? Salut Boulimizar, comment tu vas? Terrible. Terrible, terrible, terrible. J'ai tellement besoin de café, mais ça va et tout. Ça va. C'est le cut? Ouais, ouais. Du coup ça va ça. Terrible. D'ailleurs aujourd'hui, jeudi hein, aujourd'hui et demain c'est les deux derniers jours pour la cagnotte. Cagnotte qui est à gauche, hein. C'est les deux derniers jours. Je jure, je vais pas y arriver. En fait, faut que j'arrive à passer cette glace et qu'après je save.
pas s'arrêter? Je ne sais pas. Jamais freiner sur de la glace. On te l'a déjà dit IRL, Quentin. Jamais freiner sur de la glace. Avance Michel. Est-ce qu'on a une médaille d'or? Non, c'est combien? Une 18. Allez. Franchement, j'ai perdu beaucoup de temps sur la fin de la glace. Mais putain, mais terrible ça! Je gagne quand même du temps. C'est que vraiment j'ai été une merde. Sur la fin de la glace de tout à l'heure. Vous voyez, quand je freine, il y a le petit truc à l'avant qui s'ouvre comme ça. Donc si jamais vous me voyez freiner sur de la glace, engueulez-moi dans le chat. Allez-y, faites-vous plaisir. Je tourne trop. C'est terrible. Ah. Mais... Ah. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas fait de Trackmania en live. Ça fait un bon bout de temps. Sur ça, j'ai été très bon. On va avoir notre médaille d'or.
Étape un Nièvre, top 2 Bourgogne-Franche-Comté. Ah, ça me plaît. Oui, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Étape un Nièvre sur cette map. Bon, du coup, si on regarde les. Sur le département. Oh, ces deux temps-là, ça les a pas gardés. En gros, j'ai des top 1 sur ces deux-là. Là, vous regardez les points. Vous voyez le nombre de points que les joueurs ont en multi. Il y en a déjà un qui a 55 700. Du coup, ça doit être. Ouais. Bah, du coup, là, on est quasiment sur du top 5. Là, on est sur du top 5 max. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Celle-là, c'est quoi cette map-là? Je vais regarder, c'est quoi cette map? Parce que pour que je me prenne 15 secondes quasiment. Sur cette map là, je me prends 15 secondes. Ah, je sais comment je me prends 15 secondes. C'est bon. Proto. Comme ça. Comme ça que je perds 15 secondes. Allez, ça dégage. Hop, on passe 3ème Bourgogne, 2ème Nièvre. Alors, c'est qui le master? Putain, j'ai fait de la merde au départ. Tu cheats? Non, je cheat pas. Ah putain. Et je pense que je peux gagner, ouais, bien 2 bonnes secondes avec mes erreurs. Avec mes petites erreurs là que je vois à droite à gauche, je peux gagner 2 bonnes secondes. Mais ça par contre le one shot comme ça là. C'est régu hein. C'est régu. Je pense que c'est totalement régu. Genre là j'aurais mieux pris ce saut là. Je pense que j'aurais gagné ouais 0.2. Là, je pense que je peux gagner 0.5. Là.
là 0.2, donc là je suis déjà à 0.9. Là un peu moins de airtime, je peux gagner 0.3, du coup je fais une seconde 2. Ouais, je peux gagner une seconde 2, on va dire, sur mon temps. Eh bien écoutez, on est bon. Voilà. Bon, ça va s'actualiser. Ah là, j'ai un top 1. Ah oui, oui, c'est... oui. Ah là-dessus, j'ai aussi un top 1. Oh. Bon, ça va s'actualiser petit à petit. Mais du coup, voilà. Alors, bleu, rouge, noir. Top 5... Enfin, top 3 max. Parce que ça, ça va s'actualiser. Du coup, j'aurai un top 2. podium sur les 15 dernières maps. Les maps qui sont censées être les plus dures. On est d'accord que ça veut dire que j'ai pris le jeu en main. Qu'on est bon. Bon, Bourgogne. Bourgogne, là-dessus. Il y a que celui-là où je suis un peu. Ah, je suis un peu loin, attention. Il n'y a que celui-là. Il n'y a que sur celui-là. Sinon, et n'empêche, les noirs qui sont censés être les plus durs, top 2, top 2, top 3, top 2. Il y a celle-là, par contre, celle-là, je suis claqué au sol. Sur celle-là, là, je suis claqué au sol. Ces 4-là, plus ces 2-là, il va vraiment falloir que je travaille dessus. France, ouais, on n'en parle pas. Et franchement, je suis top 110 sur celle-là. Hein. Et celle-là, c'est top 95. Hein. En vrai, top 110 sur celle-là en France, c'est pas dégueu du tout. Pas dégueu, du coup, du tout. Celle-là, 103. C'est la 95. Même pas top 100, quoi. Eh, propre ou pas propre? Top Europe, 154e là-dessus. Sur la dernière map, 154e. Et monde, je suis 170e. J'espère que 16 places. Hein. Monde sur celle-là. Et sur ces deux, sur ces deux-là, je suis solide. Enfin, même sur ces trois-là, je suis solide. En termes de monde. Et de quoi t'es pas sûr? Je suis pas bon? Tu penses que je suis pas bon? C'est ça que tu veux dire? Soulmaster? Ah putain! Et n'empêche, top 1000 monde sur toutes ces maps là. Pas sûr que tu aies pris le jeu en main. C'est sérieux ça? Top 1000 monde! C'est-à-dire que je fais partie du. Putain, et regarde, il y a 10 000 joueurs là-dessus, sur celle-là. 10 000 joueurs. C'est-à-dire que t'as plus de 10 000 joueurs qui ont fait la campagne. Et sur ces 10 000 joueurs, je suis parti du top 1000. Alors?
Aïe, je suis content. Alors attendez, je vais regarder très rapidement certains trucs. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens sous Firefox ici? Est-ce qu'il y a des gens sous Firefox? Parce que je vous invite. Je vous invite à passer sous Chrome. Hein. Je vous invite à passer sous Chrome parce que Chrome utilise 3 fois moins de ressources que Firefox et ça a été validé par quelqu'un qui est sur Firefox et qui ne changera pas malgré tout, mais qui valide le fait que c'est sous Firefox. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, on va passer sur du live, on va passer sur des cups, pas sur les maps de la ZRT Trackmania Cup parce que je n'ai pas les maps et je dois m'entraîner pour ça. Par contre, on va faire d'autres maps. On a d'autres maps qui sont assez sympathiques. On a des Feni maps, on a des Disco, on a... Voilà. Et on va aller, je pense, sur les maps qu'on appelle Mario Kart. Voilà. Si je tape Mario... On a celle-là. Donc on va aller sur celle-ci. Et puis on va se faire plaisir. Le salon n'est pas disponible. Oh non, c'est dégueulasse. Oh, par contre, et j'avais pas vu le circuit Yoshi. Je comprends pourquoi la Yoshette a été contente. Allez, c'est parti. T'as lui stylé. Il est stylé, les Yoshi. Let's go. Médaille d'argent, un peu claqué, hein. Ouais. Compliqué cette map. En fait, elle est pas agréable à conduire. Pourquoi j'arrive pas à tourner? Horrible. Ça veut pas drift. Et quand ça veut, je me bouffe un mur. Super. Merde. Alors, vraiment, le wallit. Hein. Ce sera non. Mais putain! Trois virages.
C'est de la merde ce que j'ai fait. Hein. C'est totalement de la merde ce que j'ai fait. De 2 secondes, mais c'est la merde. T'es un nouveau carte junior? Pas du tout! Pas du tout! Jamais de la vie! Attendez. Qu'est-ce qu'on me dit là? T'as mon téléphone qui bug en ce moment, ça commence à me les briser. Bon, c'est moi qui gagne le match. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Lycos? Ça va très bien. Pauvre, la reprise du taf. Ah, bah tu vois, moi je travaille là. T'es toujours là où tu étais ou t'as bougé, Lycos? Toujours pareil, malheureusement. Ok. Une 16. Terrible ça. Après Lycos, faut relativiser et te dire que ça te permet d'avoir un peu de sous quoi. Même si c'est pas des millions, c'est déjà mieux que rien et d'être dans la galère. Attendez. Attendez. Oh, le téléphone qui bug. Je pense que je vais le redémarrer un moment. Parce que... En tête, je vais changer. Ah ouais? Tu vas prendre quoi?
Et ouais, P30. En fait, j'ai du mal avec les Huawei maintenant. J'étais un des fervents protecteurs de Huawei jusqu'au moment où Google leur a fait allez, ça dégage. Et du coup, je tente. Ah, chiant. Du coup. Oh putain, j'ai sauté si haut. Ouais, c'est à partir du P40. Ah ouais, t'es sûr? Parce que c'est... Ils ont plus... Enfin, Android, ils ont plus de mise à jour sur les Huawei. Hein. Donc en fait, là, toutes les applications que vous avez, il peut y avoir un hack. Google n'est plus garant. C'est pour ça que, personnellement, je privilégie, les Xiaomi. Qui sont d'aussi bonne qualité voire de meilleurs et qui eux ont toujours Android mis à jour quoi. Premier à 7 secondes de la fin, je pense que l'autre doit être bien dégoûté. Oh, ça, quel plaisir. Alors, putain, je suis trop le boss. Ah, ça, quel plaisir de prendre la première position à la fin. Et du mettre 5e. Oui. Continue à bugger, t'es vraiment un sac à Miko ça. Les messages comme ça me font pas bugger. Et le spam, ça fonctionne pas non plus. Voilà. En fait, le truc, c'est que mon téléphone est quand même assez robuste. Donc tu peux le spam de ouf sans problème. C'est juste certaines applications, genre la dernière mise à jour de Snapchat a fait beaucoup de mal à mon téléphone. Et du coup, dès que j'ai un message Snapchat, il galère un peu. En même temps, il va avoir 2 ans, donc il commence à se faire vieux en termes de techno. Même s'il est toujours plus puissant que mon PC portable. Lol. J'ai le seum. Oh merde, j'ai trop freiné. Après, tu peux tester Lycos hein, si ça te fait plaisir de spam. Vas-y, essaye. Hein. Ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles d'un ami.
Et là, il dort. Troisième. En faisant de la merde. Donc ça passe. Je me dis que mon level est pas si claqué que ça. Je gagne beaucoup de temps là-dessus. Déjà, je passe deuxième. Ah, je gagnerai pas celui-là. Il a combien l'autre? Oh, il me met 3 secondes. Excuse-moi. Bon, deuxième. Bamba. Oh, hier j'ai fait cette map là. C'est là-dessus que j'ai découvert que j'étais un joueur d'Earth. Jusqu'au moment où un mec m'a doublé. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Allez, ça dégage les enfants. Sous les 46, on les achève. On va passer en caméra 4, je pense que c'est caméra 4.
Caméra 0. Ok. Comment on s'étage déjà? Je sais plus. Les changements de caméra, comment on fait ça? Bien, j'ai avancé. Je sais plus comment on change la caméra. Ah, le bâtard. Oh, il m'a mis 0 dixième là. Vraiment? Enfin, 1 dixième. Non, même pas. 0,6 dixième. De la merde, écoutez les guilles, très important. Voilà. Non ! Oh ! Terrible. Je suis loin du million. Vous êtes à combien ? Vous êtes à combien de points, les deux zigotos là, qui regardent que les points et qui regardent pas le live ? Yes! 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 Ouais! À 0,5 dixième! Oui! 0,05 secondes! Oh là 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 là! Pa 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 pa! Oh le Stremon! Oh là là! Oh, il doit avoir un somme colossal! Putain, sur la dernière accélération, j'ai gagné 3 dixièmes! Ah ouais, c'est vraiment la dernière accélération où j'avais fait merde de ouf quoi! Et là, c'est le circuit Yoshi, et du coup, vu qu'on l'a déjà fait, on peut quitter! Bon! Oh là là, accès club. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Rejoignez les activités de club, machin. Créez votre club et partagez vos chefs-d'œuvre. Personnalisez votre voiture avec vos modèles ou ceux de vos clubs. Participez à l'Open Grand League. On peut faire ça, hein? Participer à l'Open Grand League là. D'ailleurs, je suis un peu déçu, on peut pas afficher la souris pour vous. On peut toujours pas modifier ça. Dommage. Du coup, là, fin de votre période d'un an, conservez 100 jours officiels et 365 courses du jour. Il était avancé le circuit. Et c'est stylé en vrai. Et du coup, en standard, faites la course et participez à la compétition sur la sélection de circuit. Rejoignez les activités du club public
campagne et salon en ligne, créer des circuits avec l'éditeur avancé et tester là en ligne, créer et partager vos vidéos de course à l'infini. Ok. Et starter, du coup, jouer en solo et en multijoueur sur 25 nouvelles cartes chaque saison. Gagner des médailles et suivre votre progression dans les classements, obtenez le meilleur des campagnes des joueurs Canal Arcade. Obtenez les éditeurs de replay, de modèles et de l'éditeur de circuits simples pour participer chaque semaine à la nationale. Ok. Ah oui, du coup, n'hésitez pas à rejoindre ce club. N'hésitez pas à rejoindre ce club. Parce que sur ce club, les 10 000 premiers rapportent 5 euros en plus pour Bercy. Voilà. Donc, si jamais vous avez le jeu, que vous êtes sur le truc, n'hésitez pas à rejoindre le club de Zerator. Merci. Financez là où je vais aller et là où j'ai déjà mes billets, s'il vous plaît. Ce serait cool. Il en manque 2500. Allez, hop, hop, hop. On s'appêche. J'ai pas envie de rester assis dans une salle pour regarder Trackmania et voir qu'Argent remporte encore. Mais t'es sérieux, Kiyoshi? Juste pour ça, j'ai plus envie de te parler. Juste pour ça. Franchement, résumer la Trackmania Cup à ça. C'est nul. Nul, nul, nul. Du coup, voilà. Bon, bah, du coup, je créerai des maps. Un de ces quatre. Et je les mettrai sur le jeu. Bah oui, je me doute, sac à merde. Je m'en doute. Pour que t'aies envie de regarder les trucs avant que je regarde, moi, les maps de Zera, c'est que t'as envie, tu vois. Mais dis-toi que depuis... alors j'ai fait Grand Rex, j'ai fait Lyon, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Strasbourg. Je me devais de faire Bercy. Tu vois. Je me devais le faire. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Honnêtement. Et de ce logo là. Pensez quoi de ce logo? Il est stylé, non? J'aime beaucoup. Si sur le jeu F1 2020 on peut mettre le logo d'une team, je mettrai Core Gaming. D'ailleurs, c'est dommage, on voit pas les couches les couches de création. J'avais sauvegardé le projet et c'est pas, enfin je sais pas où est-ce qu'on les trouve. Ah, il est là. D'accord. Bah du coup voilà, je vais vous montrer. Voilà. Ça m'en fait ça me fait 10 ça me fait 10 trucs. J'ai 10 trucs pour faire juste cette petite bagnole là. Hein.
l'éditeur est quand même l'éditeur de véhicule est quand même bien mieux que sur ce stadium. Ça, y a pas à dire. Et ce qui est bien, c'est que là, je peux tout tout personnaliser. Genre, je peux enlever tous les stickers d'un coup. Les couleurs des boosts, alors c'est ici en fait. Ça se voit pas trop parce qu'en fait c'est en dessous, mais croyez-moi, il y a les rouges, je peux les enlever et les mettre en rouge si je le vois. Global, je peux enlever la couleur rouge. Boost inter, voilà, c'est ça. Je peux enlever la couleur qui est là. Là. Je sais pas, alors celui-là c'était parce que en fait, ici, là, vous voyez là la couleur? Voilà. Et du coup, il y a aussi le dessus. Et du coup, quand je change et que j'enlève par exemple aileron, là on a plus ça. On a côté. Ça côté, je pense que vous avez compris que c'est là. Voilà. Logo. Voilà. Le petit logo qui est là. Puis nom du joueur, pareil. Et du coup voilà, voilà pour la voiture, comment c'est foutu, et franchement c'est bien foutu. Je trouve ça très 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 stylé. J'ai passé 2 heures hein, à faire juste ça. Mais je trouve ça trop bien. Voilà. Bon du coup, messieurs dames, je vais vous laisser. Il est 16h, ça fait quasiment 2 heures que je suis en live. Quasiment 2 heures, mais au moins j'ai pu finir la campagne solo avec vous, j'ai pu faire des bons scores, j'ai pu faire des trucs sympas, donc voilà. Alors, attendez, membre admin, créateur de contenu, admin. Yoshi en membre. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. On se dit à ce soir pour pas du Trackmania. Voilà, je pense que vous en doutez. On se dit à ce soir pour du The Last of Us. Et voilà, je vous rappelle que la cagnotte, c'est les 2 derniers jours. Donc ce soir et demain. Les 2 derniers jours. Après, ce sera fini. Finito. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, enfin à ce soir, pour un nouveau live. D'ici là, portez-vous bien et ciao YouTube.